Oui, reconnectez-vous, s'il vous plaît. Là, je suis rentré à la maison. Reconnectez-vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Reconnectez-vous. Connectez-vous et partagez le direct. Je veux m'adresser à une race de personnes. Je veux m'adresser aux enfants de Dieu. Je veux m'adresser aussi aux hypocrites. Et il y a trop d'hypocrites dans le corps de Christ aujourd'hui. Soyez bénis. Ceux qui sont les enfants de Dieu qui m'écoutent, soyez bénis. Soyez puissamment bénis. Je vais parler ce matin, partager ce direct. Je vais parler, je vais mettre des points sur des i. Il y a beaucoup de i où il n'y a pas de points. Je vais mettre les points là-dessus. Voilà. Et que on arrête de nous fatiguer. De nous fatiguer avec je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. La Bible a dit, la Bible n'a pas dit. Il y a une seule Bible. Et cette Bible, elle est pour tous les croyants, pour tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu. Voilà. Chacun peut l'interpréter de sa manière et c'est d'ailleurs cela qui cause problème aujourd'hui. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez. J'étais au dehors tout à l'heure en train de faire le direct, mais il pleut très fort et ça perturbe le réseau au dehors. Donc, je suis venu ici à mon bureau pour pouvoir faire ce direct. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler très fort. Je vais parler très fort ce matin. Je vais parler très fort. Parce que je constate des choses. Je vais dire des vérités. Je vais dire des vérités parce qu'il faut qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles et pour des cons. Voilà. C'est en quelque sorte même un petit guinzeni. Je ne suis pas énervé, mais je suis sidéré. Je suis sidéré. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je me demande si le corps de Christ existe. Je me demande si le corps de Christ n'a pas été découpé en petits morceaux et partagé. Je ne sais pas comment. Peut-être que ce qui reste dans le corps de Christ aujourd'hui, ce sont peut-être quelques bouts de cheveux. C'est peut-être des ongles, des orteils, mais le corps de Christ lui-même, là, j'ai l'impression qu'il n'existe pas. Nous sommes aujourd'hui dans une situation que nous ne comprenons pas. Partageons le direct, mettez des cœurs et partagez mon direct. C'est un coup de gueule, c'est un coup de gueule, c'est des vérités qui vont sortir. Et je vais allumer certaines personnes ce matin. Je vais allumer certaines personnes. Je ne vais pas dire je vais guinzer, mais je vais mettre des gens à leur place. Je vais mettre des gens à leur place. Alors, depuis un moment, je constate sur les réseaux sociaux certaines, soi-disant, ou certaines servantes de Dieu, ou certains pasteurs blancs, comme moi, en train de faire des messages, des sermons et des prédications très appuyées concernant la prospérité. Quand je les regarde, ces personnes-là qui viennent parler contre le message de la prospérité, ces personnes qui viennent dire qu'un pasteur, un homme de Dieu, ne doit pas parler de prospérité. Quand je les regarde, je regarde leur vie, je regarde comment ils sont habillés, je regarde les moyens qu'ils ont, je regarde la situation paisible dans laquelle ces personnes se trouvent. Mettez des cœurs et partagez mon direct, s'il vous plaît. Je dis que ces personnes sont hypocrites. Mettez des cœurs et partagez le direct.
J'ai vu une vidéo d'une servante de Dieu, d'une femme, précisément à Abidjan, en train d'appuyer, d'attaquer le message de la prospérité. Mais quand j'analyse cette femme-là, elle est riche maintenant. Quand j'analyse cette femme-là, elle est riche. Son mari est riche. Allez-y voir leur église où ils se trouvent. Allez-y voir les duplex. Allez-y voir les terrains qu'ils ont. Allez-y voir les voitures qu'ils ont. Allez-y voir leur compte bancaire. Et ces personnes-là viennent se mettre sur les réseaux sociaux où sont en train de prêcher. Le message de prospérité quand vous prêchez là, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous venez faire croire aux gens que vous n'aimez pas l'argent. Pourtant, mettez les cœurs. Oh, partagez ce direct-là. Partagez, je vais régler des choses ce matin. Partagez ce direct. Partagez-le. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je vais vous voir présent. Même si tu es en train de travailler, mets les cœurs. Vous êtes hypocrite. Comment toi, tu as des millions? Peut-être même que tu as atteint déjà milliards. Et puis tu peux venir t'arrêter, prêcher et dire aux gens, le message de la prospérité n'est pas de Dieu. Mais pourquoi toi tu es prospère? Pourquoi toi tu as l'argent? Ton argent que tu as là, est-ce que tu prends pour donner aux pauvres dans la rue? Ton argent que tu as, est-ce que tu prends pour construire des écoles gratuites? Ton argent que tu as, est-ce que tu prends pour construire des hôpitaux gratuits? Jusqu'à présent, dans ton église, les gens continuent de faire offrande. Les gens continuent de te payer dîmes. Tu es riche. Ton mari est riche. Vous avez des voitures, des maisons, tout ce que vous voulez. Vos enfants même fréquentent dans des pays étrangers, comme au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Et c'est vous qui venez vous mettre là pour prêcher aux gens. Pour dire aux gens que le message de la prospérité n'est pas de Dieu. Mais pourquoi vous avez été prospère par l'évangile? Pourquoi vous avez fini de manger? Vous continuez de manger, de vous goinfrer, et puis vous venez vous asseoir, arrêter devant les gens pour prêcher, pour faire croire que vous êtes saint, pour faire croire que vous êtes pur, pour venir dire aux gens que le message de la prospérité n'est pas bien. Pourtant, vous êtes prospère. Vous ne manquez de rien. Vous avez l'argent. Et vous venez dire aux gens qui veulent être prospères. Vous venez dire aux gens qui veulent aussi être comme vous. Vous venez dire aux gens qui veulent avancer dans leur vie. Vous venez leur dire, n'écoutez pas le message de la prospérité, mais vous êtes des sorciers et des sorcières. Vous êtes des sorciers et des sorcières. Vous êtes des sorciers, des menteurs et des hypocrites. Vous êtes des aigris et vous ne voulez pas que quelqu'un puisse vous ressembler dans votre vie. Vous mentez. Il y a même quelqu'un qui était contre la dîme. Il prêchait contre la dîme. Mais vous savez que en dessous, en dehors, il prenait la dîme en cachette. Pourquoi vous êtes aussi mauvais? Mettez-moi mes cœurs, mettez mes cœurs. Ce matin-là, on va se laver. Ce matin-là, on va se soigner. On va se soigner vrai même. On va se travailler ce matin-là. Je n'ai marre des hypocrites dans l'église. Des soi-disant pasteurs qui prétendent être saints, purs, propres, alors que eux-mêmes là, ce sont des tombeaux blanchis. Ils portent des costumes parce qu'ils ont un micro. Ils s'arrêtent devant les gens pour faire croire aux gens qu'ils sont purs. Alors que eux-mêmes là, ils sont plus mauvais que tout le monde. Ça commence à m'énerver. Il y a une femme qui s'arrête à Abidjan, qui commence à prêcher le message de la prospérité là. Je vais vous dire, c'est quand vous prêchez faux. Tu es une menteuse. Maman, je te respecte, mais tu mens. Tu es une menteuse. Tu es une hypocrite. Tu es une manipulatrice. Je te le dis aujourd'hui. Je te le dis demain. Ton mari aussi est un menteur, un hypocrite. Pourquoi toute votre vie,
Vous avez cherché l'argent. Pourquoi toute votre vie, vous vous êtes enrichi. Vous êtes riche. Vous avez tout ce que vous voulez aujourd'hui. Vos enfants ont tout ce qu'ils veulent. Et vous venez vous asseoir pour faire croire aux gens que le message de la prospérité n'est pas bien. Pourtant, vous avez déjà prêché ça. Vous avez dit aux gens de donner. Quand vous faites vos programmes, vous dites aux gens de donner. Vous dites aux gens, s'ils ne donnent pas, ils ne sont pas de Dieu. Quand vous faites vos programmes, vous dites aux gens, s'ils ne donnent pas, ils ne seront pas bénis. Vous acceptez les dîmes. Vous acceptez les offrandes. Et vous venez vous asseoir pour attaquer des gens en disant qu'ils prêchent le message de prospérité. Où est la différence entre ces personnes-là et vous? Vous êtes des hypocrites. Mettez des cœurs. Partagez le direct. Je vais mettre la musique. Mettez des cœurs et partagez mon direct. Mettez des cœurs. Je ne vois pas vos partages. Bande de crocodiles dans l'église de Dieu. Bande de menteurs. Bande d'assassins. Trop d'hypocrites. Et puis ce qui me plaît même dans l'histoire là, il y a des blancs. Des blancs. Quand je dis blanc, je ne vais pas dire c'est français. Je ne vais pas dire c'est américain. Je ne vais pas dire c'est espagnol. Mais il y a des blancs. Peau blanche. Des blancs. Oh, mettez les cœurs. Moi, je ne vois pas vos cœurs là. Où vous voulez que je parle? Mettez les cœurs. Vous croyez que je suis venu pour m'asseoir pour jouer au bien? Hein? Il y a des blancs. Des blancs. Ce n'est pas du racisme. Ma femme est blanche, mes enfants sont métis. Mais il y a des blancs qui prennent les Africains comme des cons, même dans l'église. Attendez, je vais vous parler. Surtout dans le milieu des assemblées de Dieu du réveil. Je viens, je vais vous laver matin là. Vous n'avez rien compris. Je vais vous laver, je vais vous nettoyer propre. Et puis ça là, ce n'est que le début. Votre histoire de message de prospérité là, je vais être votre candidat. Je vais vous soigner. Je vais vous soigner. Bande d'hypocrites. Il y a des blancs. Peau blanche. Il est bien né dans le beurre. Depuis son enfance, on l'a fait boire du lait de qualité. Il a mangé la nourriture de qualité. Il n'a jamais connu ce que c'est que la poussière et la souffrance. Il n'a pas joué bille. Il n'a pas joué les trucs bizarres que les petits Africains jouent dans les rues. On l'a envoyé à l'école paisiblement. Son éducation a été bien posée. Ses aïeux, ses ancêtres ont endormi nos parents avec l'évangile. Oh, vous allez m'énerver matin là. Mettez le cœur. Vous croyez que quoi même? Ses aïeux, ses parents ont pris cette Bible, ça, ce bout de papier. Ils sont partis en Afrique. Ils se sont fait appeler missionnaires. Ils ont trouvé nos parents avec leurs traditions. Ils ont trouvé nos parents avec leurs coutumes. Ils ont trouvé nos parents. Ils sont allés le dire à nos parents. Le Dieu que vous adorez n'est pas le vrai Dieu. Vos coutumes, vos connaissances des feuilles, vos connaissances du bois, vos connaissances de la nature, tout ça là, c'est pas bien. Voici la vérité. Ils ont donné cette Bible à nos parents. Dans la Bible, il est écrit
que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dans cette Bible, il nous est dit que Abraham était riche. Dans cette Bible, il nous est dit que David était riche. Dans cette Bible, on nous a dit que Salomon était riche. Dans cette Bible, on nous a dit que Jésus, on lui faisait tellement d'offrandes. Il y avait tellement d'argent dans son compte que même Judas volait. On ne savait pas que Judas volait. C'était dans cette Bible. Quand ils sont allés en Afrique, ils n'ont pas dit cette vérité à nos parents. Ils ont dit à nos parents, aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un te gifle ici, il faut lui présenter l'autre. Ils ont dit à nos parents, n'aimez pas l'argent. Ils ont dit à nos parents, marche avec des tapettes et en attendant. Ils ont dit à nos parents, la pauvreté est une qualité. Heureux les pauvres en esprit, ils hériteront le royaume des cieux. Ils ont endormi le cerveau de nos parents. Ils ont inculqué la pauvreté et la misère dans la vie de nos parents. Oh my God. My God. My God. Ils ont fait croire à nos parents que tout ce qui est richesse, tout ce qui est richesse est démoniaque. Ils ont un passage du jeune homme riche qui ne pouvait pas rentrer dans le royaume des cieux à cause de sa richesse. Nos parents avaient des grandes plantations. Ils prenaient cacao de nos parents. Ils prenaient café de nos parents. Ils prenaient l'or de nos parents. Ils prenaient les richesses de nos parents. Et ils faisaient croire à nos parents que nos parents devraient rester calmes, sages. Il ne faut même pas qu'ils vont penser à l'argent. Mais pendant ce temps, eux, ils s'enrichissaient. Pendant ce temps, eux, ils prenaient le trésor de nos parents. Et aujourd'hui encore, il y a des blancs. Je dis le mot blanc. Aucun blanc, je dis bien haut et fort, aucun blanc ne doit ouvrir sa bouche dans une église pour prêcher contre la prospérité. Aucun blanc ne doit venir attaquer un pasteur africain pour lui dire pourquoi il parle de la prospérité? Ce blanc est un menteur. Ce blanc est un hypocrite. Ce blanc est un satanique. Vous croyez que les Africains vont rester toute leur vie misérables pour que vous continuiez de marcher sur leur cerveau? Si un blanc prêche sur la prospérité, c'est normal. Si un blanc prêche sur l'argent, c'est normal. Il y a des blancs qui font payer leurs conférences. Il y a des, aux États-Unis, il y a des conférences, même ici en France, il y a des blancs. Mais vous avez d'autres stratégies, je parle même des assemblées de Dieu. Église assemblée de Dieu, le pasteur a un salaire. L'église paye la maison du pasteur. La voiture, c'est l'église qui donne au pasteur. On prend soin du pasteur, on prend soin de sa femme. On prend soin de lui. Dans les églises pentecôtistes, pentecôtes aussi, on fait ça. Le pasteur a un salaire. Le pasteur est un fonctionnaire. Ça veut dire que je me lève. Je m'en vais faire études bibliques. J'ai un diplôme. On me met pasteur quelque part. J'ai un salaire. Je me lève matin. Je travaille. C'est comme si, voilà, je peux recevoir les gens. Je peux ne pas recevoir les gens. Je peux visiter les gens. Je peux ne pas visiter les gens. L'église grandit haut. L'église grandit pas haut. J'ai mon salaire chaque fin de mois. Les prêtres ont un salaire. Le Vatican s'occupe des prêtres. À l'église assemblée de Dieu, on s'occupe des pasteurs. Je ne sais pas comment ça se passe à l'église méthodiste. Mais dans l'église pentecôte, dans certaines églises pentecôte, on s'occupe du pasteur, de sa femme et de ses enfants. Mais les pasteurs qui sont en plein temps, vous voulez qu'ils mangent comment? Les pasteurs qui sont en plein temps, vous voulez qu'ils payent leurs factures comment? Les pasteurs qui sont en plein temps, vous voulez qu'ils vivent comment? Ou bien eux là, Dieu ne les aime pas. Ils doivent se promener avec des pantalons déchirés, des chaussures déchirées, des vêtements déchirés. Pourquoi vous êtes toujours en train d'attaquer les gens qui prêchent sur la prospérité?
alors que vous prenez des offrandes dans vos églises, alors que vous prenez des dîmes dans vos églises, alors qu'on vous fait des dons, vous acceptez. Si vous n'aimez pas l'argent, vous n'aimez pas la prospérité, refusez tout ce qu'on vous donne. Je n'aime pas le mensonge. Quand je vois un blanc qui vient se mettre sur les réseaux sociaux, oui, le message de la prospérité n'est pas de Dieu. Mais on s'en fout de ce que toi tu dis. On s'en fout de ce que tu dis. Le message de la prospérité n'est pas de Dieu. Va réveiller tes ancêtres qui ont volé nos parents. Et dis-les ça. Va réveiller tes grands-pères, tes ancêtres qui ont volé nos parents, qui ont fait croire qu'ils étaient des missionnaires, qui nous ont envoyé ce bout de papier et qui ont volé nos parents, qui nous ont rendus pauvres. Et parce que nos yeux s'ouvrent aujourd'hui sur l'évangile, vous venez vous asseoir, l'évangile de la prospérité. On va prêcher sur la prospérité bien. On va prêcher matin, midi, soir. Celui qui ne me donne pas, il n'est pas béni. Point. Ça te plaît, oh? Ça ne te plaît pas. On va prêcher ça. Aujourd'hui, l'église catholique est puissante parce qu'il y a l'argent dedans. L'église méthodiste, quand tu vas même en Côte d'Ivoire, leur église qui s'appelle, oh j'ai oublié le nom, l'église qui a acheté tous les cinémas, l'église qui a acheté, comment il s'appelle cette église-là? L'église qui a acheté tous les cinémas, l'église qui a acheté toutes les boîtes de nuit, l'église qui est universelle. Mais c'est l'argent. L'argent. On vend huile, on vend papier, on vend fil, on vend tout là-bas. Mais les gens remplissent cette église. Allez-y à Lourdes. L'église catholique vend bougies. L'église catholique vend huile d'onction. L'église catholique vend l'eau bénite. Il y a des tissus. Il y a des pots. Aujourd'hui, même si tu te lèves pour aller à Lourdes, ce n'est plus un lieu de pèlerinage. C'est devenu un lieu de business. C'est devenu un lieu de commerce. On prend la photo d'une femme. On colle sur un bidon. On dit c'est Maman Marie avec chapelet. On vend le bidon 10 euros, 20 euros. Tu veux huile, tu vas payer. Bougie que tu vas prendre pour prier, tu vas payer. Pourquoi vous ne vous levez pas matin, le matin pour agresser l'église catholique? Pourquoi vous ne dites pas au pape que les bougies doivent être gratuites? Pourquoi vous ne dites pas au pape que l'huile d'onction qui est vendue doit être gratuite? Les gens prient au dehors, mais ils payent quand même. Allez-y à Lourdes. Vous croyez que le monde a été créé pour que les choses soient gratuites? Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Quand vous avez déjà eu ce que vous voulez, vous avez fini de manger, vous êtes rassasié, vos vilains ventres avec vos estomacs pourris, vous vous asseyez sur vos toilettes pour chier des caca inutiles qui sentent mauvais, vous venez maintenant dire aux autres, ne parlons pas de prospérité. Il y a un pasteur là, c'est un blanc. Je l'ai vu dans une vidéo. L'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. L'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Mais quand tu le regardes, il est sapé. Quand tu le regardes, il est beau. Quand tu le regardes, il est frais. Il est bien coiffé. Sa montre coûte cher. Sa chaussure coûte cher. Son costume coûte cher. Son église coûte cher. Sa chair coûte cher. Sa voiture coûte cher. Tout ce qu'il a coûte cher. Et ce monsieur vient s'asseoir devant des gens bêtes, bêtes et cons qui applaudissent, qui disent amen, amen, pour leur dire que l'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Vous croyez que c'est tout le monde que vous pouvez endormir? Vous, certains serviteurs de Dieu blancs, vous n'êtes pas encore délivrés. Quand vous voyez un pasteur noir, ce sont les pasteurs africains. Ce sont les pasteurs africains. Vous avez quoi de mieux que les pasteurs africains? Le noir aime Dieu plus que toi. Vous avez fini d'évangéliser l'Europe. Vous avez fini d'évangéliser la France.
Ce sont les Africains qui sont quittés en Afrique qui viennent évangéliser vos frères blancs ici. Ce sont les Africains qui viennent créer le réveil spirituel en France et en Europe. Vos parents sont assis chez eux à la maison, ils ne vont pas à l'église. Vos parents ne vont pas à l'église. Le jour qu'ils parlent de Jésus, c'est à Noël. Le jour qu'ils parlent de Jésus, c'est pendant la Toussaint. On dit, on va prier les morts, parce qu'ils aiment prier les morts. Ils vont prendre fleurs pour aller au cimetière, pour aller jeter sur le tombeau des morts. Le jour où ils vont parler de Jésus, c'est la Pâque, pour partager les œufs de Pâques. Vous êtes des religieux. Vous n'avez pas encore connu Dieu. Et c'est vous qui voulez montrer à l'Africain. L'Africain qui a connu Dieu avant que vous envoyez votre évangile. Jésus est noir. Moïse est noir. Marie est noire. Adam est noir. L'évangile a commencé en Afrique. L'Africain connaît Dieu plus que toi, le blanc. Ce n'est pas du racisme. L'Africain a connu Dieu avant que toi, le blanc, tu viennes lui donner ce bout de papier. Dieu n'est pas dans la Bible. Dieu se fait découvrir par la Bible. Mais Dieu est esprit. Dieu, ce n'est pas ce bout de papier. Et vous venez nous faire comprendre, après quand je vous écoute en fait, c'est que toutes les autres personnes doivent être pauvres, ils doivent être misérables, ils doivent rester là vous regarder, briller, avoir vos voitures, vos maisons, vos villas, vos grandes églises, et puis eux ils n'ont qu'à se promener pour prêcher seulement, ils n'ont qu'à prêcher, sauver les âmes. D'autres même viennent laisser des commentaires, l'évangile de Jésus-Christ est de sauver les âmes, toi tu as sauvé combien d'âmes? Tu as sauvé combien? Tu as sauvé combien d'âmes? Viens, on va faire calcul. Toi, tu as sauvé combien d'âmes? Tu sais ce qu'on appelle sauver âme? Dans ton quartier, là, tu as évangélisé combien de personnes? Autour de toi, là, qui s'est converti encore? Vous êtes jaloux de la foi de certaines personnes. Vous êtes jaloux de l'onction qui est sur la vie des Africains ou de certaines personnes. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des Africains qui se mettent dedans. L'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Il faut manger cailloux. L'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Mange du sable. L'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Fouille dans les poubelles et mange. Refuse les offrandes. Même si tu travailles, qu'on te paye à la fin du mois, il faut jeter ton salaire. Bande d'hypocrites. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Depuis hier, là, il dit, il me lève au Dieu, il vous allume. Menteur, moi un blanc qui va venir s'arrêter devant moi pour dire l'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Si ce jour-là, le Seigneur, son esprit ne m'a pas saisi, je vais te wallow. C'est pas affaire de cet esprit. Physiquement, pas que nous, je vais te gifler. Tout ce que vous avez volé à nos parents. Tout ce que vous avez volé à nos parents. Vous avez eu l'Afrique comment? Avec l'évangile. C'est avec ça que vous avez eu nos parents. Le vieux était là, Dieu le parlait déjà en esprit. Quand il commande sur l'eau, ça agit. Quand il est là, il a des révélations. Il dit, oh, papa, ce que tu fais là, c'est sorcellerie. Hein? Dieu ne peut pas venir te parler en songe. Donc, il faut... Vous avez pris, vous dites que fétiche n'est pas bon. Hein? Vous avez pris les fétiches de nos parents pour venir faire musée, pour avoir l'argent. Vous avez retiré toutes les statues de nos parents hein? Pour venir faire musée. On paye pour regarder. C'est pas bon là. Brûler, jeter et puis on n'en parle plus. Pourquoi vous faites musée avec? Quelque chose qui n'est pas bon. Vous avez pris pour envoyer. Et puis vous faites musée pour avoir l'argent. Moi, j'étais enfant de cœur. À l'église catholique de Yamoussoukro. Il y a des pères là, il dit les noms. Il y avait Père Priou. Est-ce que l'autre là s'appelle Antoine même? Il y avait Sœur Marguerite.
Il y a là des grands détails. Je ne sais pas si c'est Antoine ou si c'est quoi. Façon, ils étaient méchants. On finit de faire la messe. Quand le président Oufoué arrive, Oufoué nous donne l'enveloppe. Il nous arrache l'enveloppe là. Dans l'enveloppe là même, il nous donne même pas 5 francs. Il nous donne même pas, même pour dire tiens 500 francs, tu vas payer le transport pour aller à la maison. Il bloque toute l'enveloppe. Si tu t'es amusé, tu as enlevé l'argent dans l'enveloppe là. Yeah! C'est pas fait d'avoir tes mains sous discipline, tout ça. Il va te chicoter. Il a dit le prêtre va te frapper, mais mal, mal. À l'église, à la cathédrale de Yamoussoukro, je ne sais pas si les cocotiers existent encore. Il y avait des cocotiers. Des fois, il y a des cocos qui tombent tout seuls. Donc, tu es là, coco est tombé, tu prends, tu manges. Je dis, les prêtres, là, quand coco tombe, si tu as ramassé, si tu as attrapé, il dit, de toute façon, il poursuivait les enfants dans la cour à cause de coco. Mais si tu attrapes, il te frappe, il te wallo, quand tu as attrapé Coco. On dirait que c'est son papa qui a planté Coco là dans le cou là même. Aïe! Tu es venu trouver Coco là ici, non? Ils sont restés là. De façon, ils venaient chez ma maman pour manger foutu. Ils mangent foutu, sauce graine, brega, brega, brega. À chaque fois, ils gardent les voitures, escargot dedans, tant, ils mangent. Nos parents même les bénissaient comme ça. Nous, on n'a rien à manger. Les morceaux même, on cherche pour manger. Là. On ne peut pas avoir ça. Les prêtres là ont mangé ça. Ils ont mangé où? Ils ont mangé. On est là, on les regarde comme ça. Là. Blanc en train de manger foutu. Escargot, blacagot. Nous, on est là, on regarde. Hey, maman, toi, c'est pour sciencer. On dit, ça a fait de Dieu. C'est les prêtres, c'est le père. Père prie où? Père, gna gna. On n'avait rien. Mais maman était toujours en train de déposer l'argent à l'église. Toi, tu cherches pain godo pour manger avec sucre et puis de l'autre, tu vois. Il y a mon père qui est venu aujourd'hui. Donc, il a fait foutu. Il dit il veut manger escargot. On a vécu ça. Maman, il était chicoté par Père Plou. Coco est tombé, il m'a poursuivi quand il est glissé sur toi, il m'a attrapé, il a tapé sur mes fesses, je n'ai pas encore oublié ça. Et c'est vous comme ça là, vous venez vous asseoir, vous vous arrêtez. Hein? Vraiment, venez vous arrêter pour dire prospérité, c'est pas bien. Il ne faut pas avoir l'argent. Il ne faut pas parler d'argent. Oh, toi, tu n'aimes pas l'argent. Ta voiture, tu roules dedans, là, tu pisses dedans pour rouler. Ton loyer, là, tu finis de chier dans les toilettes, et puis tu essuies, après tu prends, et puis tu viens payer ton loyer. Ce n'est pas l'argent que tu donnes. Pourquoi vous foutez des gens comme ça? Pourquoi vous prenez les gens pour des cons et des bêtes? Moi, j'ai ouvert mon site. Vous savez combien, même si ce site-là a été ouvert par une personne qui a voulu me bénir, vous savez combien j'ai dépensé pour mettre certaines choses dans le site. Vous savez combien m'a coûté la boutique du site. Je ne peux pas vous montrer mon sanctuaire, mais je vais vous montrer les savons qui sont là. La fabrication des savons coûte cher. Les huiles essentielles que j'achète, parce que Dieu me révèle des choses, pour prier pour chaque savon, pour chaque situation, ces huiles coûtent cher. Tout à l'heure, je vous ai montré quelque chose. Voilà. Je cache le nom de la personne. Je viens de faire un colissimo, un savon qui va aller dans la région bordelaise. Comme c'est en France que c'est pas trop loin, j'ai payé pour le colis 5 euros. La personne a payé 20 euros pour le savon. J'ai payé 5 euros, sans oublier l'achat du savon. Le prix même du savon lui-même, si on veut voir, on va de 5 euros à 7 euros jusqu'à 10 euros. Ça dépend du savon. Après les huiles essentielles, l'emballage, le colis, le temps que j'ai pris pour prier. Même si je veux calculer tout ça, le savon peut coûter facilement 100 euros.
Et il y a des gens qui vont se mettre chez eux. Oh, ça là, c'est pas bien, c'est pas biblique. Qui a dit qu'on peut vendre savon? Qui a dit que ceci, cela? Il faut rentrer dans ta Bible et tu vas demander à Jésus pourquoi pour guérir un aveugle, il a craché sur la terre et puis il a pris son crachat pour mettre sur les yeux d'un être humain, pour que l'être humain ait des yeux. Va demander à Élisée pourquoi il a dit à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain. Va demander à Dieu pourquoi un ange venait remuer la piscine pour que lorsque quelqu'un tombe dedans, il soit guéri. Demande à Jésus pourquoi quand il guérit quelqu'un, il dit va te laver dans la piscine. Demande à Élisée pourquoi il a pris la farine pour enlever le poison. Et puis tu demandes à Jésus pourquoi il dit que lorsque quelqu'un est malade, on n'a qu'à prendre huile pour toucher la personne. Il ne peut pas nous dire seulement d'imposer la main. Pourquoi il dit de prendre huile? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a créées sur cette terre qui sont vivantes. Les actions prophétiques existent depuis la création du monde. Abraham, notre père, n'a pas arrêté de faire sacrifices. S'il fait des sacrifices, c'est la sorcellerie. C'est qu'Abraham est un sorcier 100% à 200% et à 400%. Il y a certains qui vont en Israël. On prend coq, poulet, pour enlever leurs péchés. On prend poulet pour passer sur eux comme ça. Mais ça là, nos parents font ça au village. Comme ça en Israël, là, vous dites que c'est de Dieu. Il y a des endroits où on prend œuf pour mettre sur toi, on dit c'est pour faire truc. Quand si c'est en Israël, ils vont accepter. Mais si c'est en Afrique, ils vont dire que c'est satanique. Ils vont aller quelque part en Israël. On va leur dire que ça c'est l'eau bénie. Ils vont aller à Lourdes. On va dire que c'est l'eau bénie. Mais si tu as puisé l'eau de ton village, que tu as béni, tu les as donné, on va dire que c'est démoniaque. Il y a des choses que vous acceptez parce que ça vous arrange. Et puis il y a des choses parce que ça ne vous arrange pas, vous n'acceptez pas. Il y a des choses que parce que vous ne savez pas faire ou que vous ne pouvez pas faire, lorsque quelqu'un fait, il est démoniaque, il est satanique. Alors ça, ce n'est pas de Dieu. Depuis quand Dieu a pris de l'eau, depuis quand Dieu a pris du sable, depuis quand Dieu a dit savon, moi je consacre savon. Moi-même là, je ne me lave pas à n'importe quel savon. N'importe quel huile ne touche pas mon corps. Mon savon est préparé. Je prie dessus. Je mets des parfums. Je consacre. Je consacre. Je fabrique savon. Je ouin ça. Je prie dessus. Et puis, je vends ça. Point. Si ce n'est pas biblique, c'est ton problème. Mais quand je suis allé à la poste, je ne suis pas allé à la poste pour dire excusez-moi, bonjour. Je suis le bishop, mais si je n'ai que. Je dois envoyer un savon à quelqu'un et vraiment, cette personne-là est dans le besoin. Est-ce que vous pouvez me respecter gratuitement? Non. Je suis arrivé, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oh, je vais envoyer un colis. Bon, on va peser. Brac, 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 remplissez ça. Bon, ça fait 5 euros. Bah, j'ai payé et je suis sorti. J'ai le papier qui prouve que je l'ai fait. La personne va être chez lui et va recevoir son colis. J'ai payé le savon. Les huiles ont été payées. J'ai prié pour ça. J'ai payé sans pour aller à la poste. Tout ça, si on veut calculer. Et les mêmes personnes vont aller dans un magasin, Jean Bio, un magasin, je ne sais pas quoi. On va dire ça, c'est un savon de relâchement. Ça va te relaxer. Il y a de l'huile d'afghan dedans. Il y a de l'huile de je sais pas quoi dedans. Oh, ça là, ça fait que tu dors bien la nuit. Ils vont acheter 80 euros, 100 euros. Ils vont aller à la maison avec. Oh, celui qui a fabriqué, mais peut-être qu'il est possédé. Les mêmes personnes vont aller quelque part. Oh, j'ai cette huile là. Oh, si tu mets un peu dans le bain et que tu prends ça pour tu fais ton bain avec. Oh non, 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 non. Ça te relaxe. Ça enlève le stress. Jusqu'à les pharmacies vendent des huiles maintenant pour enlever stress, pour enlever maux de tête, pour enlever maux de trucs. Il y a des savons qu'on vend dans des pharmacies, dans des lieux,
pour enlever des stress dans vos corps. Les gens vont acheter. Mais quand un homme de Dieu va consacrer ces éléments, un homme de Dieu va avoir la connaissance pour créer, pour fabriquer, pour consacrer. Oh non, 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 ça c'est satanique. Oh, ça c'est le diable. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a fabriqué sa savon. La Bible dit que ce que Jésus a fait là-même, là, c'est tellement beaucoup que si on voulait écrire Bible, la Bible que nous avons aujourd'hui ne peut pas remplir ça. Donc certaines personnes, leur vie là, c'est ce livre. La Bible n'est pas Dieu. La Bible n'est pas Jésus-Christ. La Bible n'est qu'un agenda. La Bible n'est qu'un album. La Bible est là juste pour te relater qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu peut faire encore et qu'est-ce que Dieu fera encore. Mais la Bible n'est pas Dieu, c'est du papier. Si je veux, je peux déchirer cette Bible tout de suite. Ça n'enlève rien, ce n'est que du papier. Mais Dieu est esprit. Et quand on marche avec Dieu, la Bible déclare que les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui lisent Bible. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui croient en leur doctrine. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui ont fait 10 ans dans une église, qui ne peuvent pas réfléchir, ils sont devenus comme des moutons. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est pour ça que les sorciers vous tuent bêtement. Le sorcier a pris un élément de la nature. Il a convoqué ton nom, ton âme. Il est en train de te tuer. Toi, tu es à la maison. Oh, Jésus, sauve-moi. Oh, Jésus, sauve-moi. Seigneur, ton sang est versé. Je dis, oh, depuis que son petit sang l'a versé à Golgotha, là, sur la montagne, là, petit sang qui a touché la montagne de Golgotha, là, ça, là, ça fait des siècles. Sang, là, sang de Golgotha, là, c'est devenu sec. Je vais vous choquer. Sans qu'il y ait versé, oh, son sang est versé. Son sang me protège. Son sang vient rien faire pour toi. C'est faux. C'est juste le langage. C'est symbolique. Quand on dit le sang de Jésus, on proclame la valeur du sang de Jésus. Mais ce n'est pas le sang de Jésus qui vient verser sur toi. Tu es cannibale ou bien. Tu es vampire. Tu bois sang. On n'a qu'à se couper matin là. On n'a qu'à se parler matin là. Tu bois sang. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Matin, midi, soir. Jésus même là. Tu as vu son visage. Tu sais s'il ressemble à la photo que tu as mise chez toi là-bas. Tu sais quelle taille il avait. Quelle forme il avait. S'il avait des abdos, un petit gros ventre, tout ça là, est-ce que tu as vu ça? Nous avons la foi. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Au temps de Jésus, il n'y avait pas Bible. Bible, c'est le résumé de l'histoire, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on nous parle d'Abraham, on nous parle de la création, on nous parle de l'arrivée de Jésus. Quand tu arrives dans les évangiles, deux fois Matthieu dit quelque chose, Luc dit le contraire. Tu arrives quelque part, deux fois Luc a dit un truc, Jean va expliquer pour lui autrement. Ça veut dire que chacun récite. Tu vas dans les épîtres, Paul lui-même qui s'est assis, qui dit ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire, c'est ce que je veux pas faire que je fais. Il a écrit des épîtres. Toi, tu crois que Paul était plus saint que toi? Paul était Jésus. Paul est mort sur la croix. Oui, l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit. Paul, c'est ton grand-père. C'est le cousin de ton grand-père. Paul, c'est ton ancêtre. Paul est ton Dieu. Paul est ton Saint-Esprit. Matthieu, c'est ton cousin.
Jean, c'est ton frère. Dans ta famille, là, le nom de famille, c'est Jean, c'est Paul, c'est Matthieu, c'est Luc. Vous nous fatiguez. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Moi, ce qui me plaît, mettez mes cœurs et quittez ici. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a, il y avait un là. Il était chaud contre la dîme. Dîme. La dîme n'est pas de Dieu. La dîme n'est pas de Dieu. La dîme n'est pas de Dieu. Je dis la dîme n'est pas de Dieu. La dîme n'est pas de Dieu. La dîme n'est pas de Dieu. Je dis la dîme n'est pas de Dieu. Oui, la dîme n'est pas de Dieu. Wow, la dîme n'est pas de Dieu. Un matin, on l'attrape. Oh, le gars prenait des dîmes en cachette. Mais pour faire croire aux gens que lui, il est propre, pour faire croire aux gens que lui, tout va bien, il est là matin, midi, soir. La dîme n'est pas de Dieu. Ne payez pas dîme. Vos pasteurs vous trompent. La dîme, c'est l'esclavage. Pourtant, le gars prend dîme. Quand il a été dévoilé, il a fermé sa bouche. Donc, voilà des étiquettes. Voilà des étiquettes que j'ai commandées. J'ai payé ça. C'est pour emballer les savons. C'est pour emballer les huiles. J'ai payé. Ça vient d'être livré. Ça vient d'être livré. Ce n'est pas gratuit. Ça vient d'être livré. Vous voyez? J'ai payé. Il n'y a rien qui est gratuit sur cette terre. Rien. Rien n'est gratuit. Rien. Donc, ceux qui viennent s'asseoir. Oui, oh, l'évangile de la prospérité. Les gens vivent de la prospérité. La Bible dit que celui qui donne, il reçoit. Point. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu retrouveras. Point. Dieu lui-même s'arrête devant Abraham. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu as de plus précieux. Maintenant, vous qui prêchez, qui parlez beaucoup là, allez-y réveiller Élie. Oh, allez-y réveiller le prophète Élie. Et puis, demanda à Élie, pourquoi quand il était devant la veuve, une femme qui n'a rien à manger, une femme qui est pauvre jusqu'à fatiguer, pourquoi Élie a le courage, il a eu le courage de dire à cette femme, donne-moi d'abord, je vais manger. Le mot d'abord même me fatigue. Il n'a pas dit, Élie, donne-moi aussi. Il n'a pas dit, si tu finis de manger, tu me donnes le reste. Il dit à la femme, tant que moi je n'ai pas mangé, moi le prophète, toi tu ne manges pas. Donne-moi d'abord. Allez-y réveiller Élie. Réveillez Élie et puis dites-lui que c'est un escroc. Réveillez Élie, dites-lui que c'est un menteur. Réveillez Élie, dites-lui que c'est un mamailleur, tout ce que vous voulez. Mais ne venez pas nous embrouiller. Il y a un programme que je voulais faire à Paris là. La salle, les instruments, les choristes, tout le monde, on m'a envoyé une facture de 4000 euros. Juste pour aller prêcher, juste pour aller prier pour des gens. 4000 euros. Il y a des salles qui coûtent 2000 euros. Location à Paris, 3000 euros. Il y a des salles. Tu ne peux même pas avoir la salle pour toi seul. Les gens, d'autres prient le matin, d'autres prient à midi, d'autres prient le soir. Et chacun va payer 1000 euros, 2000 euros pour une salle, pour pouvoir prier. Et vous venez dire que le pasteur n'a pas le droit de parler d'argent. Vous venez dire que le pasteur n'a pas le droit de parler de prospérité. Mais vous êtes bête ou quoi? Avec quoi il paye le loyer? Avec quoi il paye l'électricité? Avec quoi il paye son déplacement? Vous êtes des sorciers et des sorcières. Tous ceux qui prêchent, il y a même un là, il prêche contre les offrandes, je ne comprends pas. Pourtant, lui-même, quand il finit de prêcher, il dit aux gens, venez faire les offrandes. Mais ça, c'est la sorcellerie. Si tu es contre les offrandes, pourquoi tu demandes aux gens de faire offrandes? Si tu es contre les offrandes, pourquoi tu demandes aux gens de faire des offrandes? J'ai remarqué que aujourd'hui dans l'église, ce que je ne fais pas, si quelqu'un le fait, c'est un péché. Tant que ce n'est pas moi qui ai fait, et que c'est quelqu'un qui est en train de faire, c'est un péché.
Il y a d'autres qui se justifient que la polygamie est de Dieu. Donc, ils ont deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Façon, ils mougou les petites filles dans leur église. Mais ils disent que c'est de Dieu. Hein? Ils disent que c'est de Dieu. Mais les mêmes personnes vont s'arrêter là pour dire, si tu as parlé de prospérité, ce n'est pas de Dieu. Toi, tu prends ton bangala pour rentrer partout. Tu dis que tu dois essayer les femmes d'abord. Tu rentres dans la maison des gens, tu mougou leur enfant, tu jettes. Tu rentres ici, tu mougou, tu jettes. Les femmes viennent à l'église, tu les mougou, tu les tapes et tous. Et puis tu dis que c'est de Dieu. Et c'est toi qui vas t'arrêter pour dire que parce que quelqu'un parle de prospérité, où il a vendu huile, où il a vendu savon, il n'est pas de Dieu. Mon frère, il faut surveiller ta pine d'abord avant de t'occuper de ce que les autres font. Parce que ta pine qui ne peut pas rester tranquille. Ta pine qui ne peut pas rester tranquille. Tu dis que toi, par exemple, là, comment on appelle? Dans la Bible, c'est écrit que tu dois mourir d'abord. Tu dois faire tout ça là d'abord. Mais, mon frère, évangile tordu, évangile pourri, juste pour blaguer les petites filles, pour les rentrer dedans là. Vous prêchez ça. Et c'est vous qui venez à ça. Non, celui qui a vendu huile n'est pas de Dieu. Huile là, c'est mon père qui fabrique ou bien c'est ton père qui fabrique huile là. La bouteille qu'il y a huile dedans là, c'est ton grand-père qui est venu me donner cadeau. Le parfum qui est dans huile là, ta grand-mère est venue pour me dire, il faut prendre parfum à cadeau. Hein? Bande de sorciers. Bande de menteurs, d'hypocrites, de voleurs, de vampires. Et après, tu vois d'autres qui sont bien habillés, propres, pantalons serrés, chaussures serrées, pointues, cravate serrée, ventre serré, tout serré, pine serrée, tout est serré chez eux. Et c'est que ce soit, oh, ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. Ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. Oh, parce qu'ils parlent de prospérité. Oh, parce qu'ils font ceci. C'est parce que tu es jaloux, tu ne connais rien. Donc, tu es obligé d'attaquer les autres, de parler des autres pour pouvoir manger. Il y a des gens, c'est leur fonds de commerce. C'est leur business. Ils ont trouvé la stratégie de parler des autres. C'est-à-dire que quand ils parlent des autres, là, ils attaquent les autres, ils font croire qu'ils sont bien, ils font croire qu'ils sont sains, et c'est ça qui leur donne à manger. Jésus-Christ TV a fait ça jusqu'à on a vu dedans. Il y a des gens sur Facebook que chaque direct qu'ils faisaient, c'est d'attaquer les autres pasteurs. Chaque direct, c'est d'attaquer les autres. Après, on a vu que eux-mêmes là, façon derrière là, ils avaient des histoires cachées derrière. C'est sorti en public devant tout le monde ici. Ils ont fermé leur bouche. Donc, il y a des gens, c'est leur stratégie. Ils n'ont pas autre chose à faire. Il faut qu'ils viennent parler des autres. Oh, ce que nous faisons, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Les gens vont dire, ah, oh, toi au moins, oh, amen, pasteur, toi au moins, tu ne parles pas d'offrande. Mais ce qui va te prendre après, là, ça va dépasser l'offrande que toi, tu crois que tu as fait. Hein? Il y a des gens, oh, la dîme n'est pas de Dieu. Le Seigneur a dit de donner. Demain, c'est ta maison, il va arracher. C'est ta voiture, il va arracher. Il va te dire que dans la Bible, Barnabas a vendu tout son terrain et puis il a donné ça aux disciples. Que c'est écrit dans le Nouveau Testament. La dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que chacun donne de tout son cœur avec libéralité, et même les disciples ont vendu tout ce qu'ils avaient. Il va te prendre l'argent. Quand tu vas calculer ce qu'il t'a pris, avec dîme que tu devrais payer là, tu vas te rendre compte que c'est lui-même qui a bouffé dans ton cerveau. Ils sont comme ça, plein. Des menteurs et des hypocrites. Entre 10% par mois, par exemple, je suis payé 1000 euros. Je donne par exemple 100 euros. Et puis, entre ça, et puis à la fin, je vais à l'église et puis on dit, oh, bénissez le Seigneur. Et puis j'enlève 500 euros, je dépose. À chaque dimanche, 300 euros. Entre ça là, où est ce qui est plus cher? C'est des escrocs, des menteurs. C'est des escrocs, des menteurs. Et tu vas regarder, la plupart là, ils aiment l'argent. La plupart, là, leurs vêtements sont propres.
Leurs voitures sont propres. Leur maison est propre. Si tu vois leur église même là, c'est propre. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui se cherche un pauvre. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a des difficultés se mettre sur la plateforme et prêcher contre la prospérité. Vérifiez bien. Vous verrez que tous ceux qui viennent prêcher contre la prospérité sont des gens qui ont déjà mangé, qui mangent encore, qui sont remplis et qui ont beaucoup. Regardez si vous avez vu un seul pauvre, une personne qui se cherche dans la vie. Regardez si vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas une grande église, qui n'a pas un confort, venir prêcher contre la prospérité. Ça n'existe pas. Tous ceux qui vont venir vous prêcher contre la prospérité, blancs, noirs, ce sont des gens, quand vous les regardez, ils vous donnent envie. Ils sont propres. J'ai vu un pasteur là, un blanc, un vieux blanc. Lui seulement, s'il était là le jour là, j'allais le gifler. Parce que c'est un menteur. Et son micro, il tremblait. L'évangile contre la prospérité n'est pas de Dieu. Oh, j'ai dit, j'insulte plus. Hein. Sinon, bonjour, n'est qu'un ouais. L'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Et puis, il prie comme ça en haut, en bas. Et il est là, il parle aux gens. Bande de racistes. Bande de racistes que vous êtes. Même dans l'église aujourd'hui, vous êtes des racistes. Même dans l'église aujourd'hui, des blancs, il y a des blancs qui sont racistes contre les noirs. Même dans l'église aujourd'hui, il y a des pasteurs blancs qui sont racistes contre les noirs. Ils trouvent les noirs toujours inférieurs à eux. Le pasteur noir est inférieur à lui. La sœur en Christ noire est inférieure à elle. Dès que tu commences à prier, oh, ça c'est, ce sont les Africains. Oh, les Africains prient comme ça. Là, c'est de ma faute si tu ne parles pas en langue. C'est de ma faute si tu n'as pas Saint-Esprit. C'est de ma faute si Dieu ne te connaît pas et que tu t'assois seulement à vide sur ta chaise. Tu vas voir les églises. Aucune manifestation du Saint-Esprit. Matin, midi, soir, c'est des discours. Vous savez, le Seigneur avait dit ceci. Et lorsque le Seigneur a dit cela, il est passé par là, il est rentré par là. Et le Seigneur voulait sauter. Mais vous savez, quand on saute, souvent on peut transpirer. Et le Seigneur a transpiré. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, lorsque vous transpirez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose de grave. Parce que le Seigneur a transpiré. Vous voyez? Alors, ce matin, le message que je voulais vous prêcher, c'était sur la transpiration. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, quand vous transpirez, ne croyez pas que c'est un problème. Quand vous transpirez, la transpiration peut venir de Dieu. Même Jésus lui-même, avant de monter sur la barque, il a transpiré, frère. Oh, regarde ta soeur, regarde ton frère et dis-lui, je n'aurai pas honte de transpirer. Et si je transpire que ça sent pas bon, je peux m'acheter un petit parfum, un petit déodorant. Alors, n'ayez pas honte de transpirer. Vous voyez, alors le dimanche aujourd'hui, nous avons voulu parler de la transpiration. Dieu n'est pas contre la cigarette. Vous pouvez transpirer en fumant. Dieu n'est pas contre le shit. Vous pouvez fumer en transpirant. Et puis de temps en temps, un bon whisky dans un verre pour l'apéro. Dieu n'est pas contre. Vous pouvez faire ça et transpirer de temps en temps. Dieu aime ceux qui transpirent. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Oh, pasteur, ce matin, vous m'avez fait du bien. Oh, le message m'a touché. Vous savez, souvent quand je transpire, je dis que c'est un péché. Je dis que c'est un péché parce que, oh, quand je transpire, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et une fois, j'étais assise à côté d'une sœur et j'ai remarqué que j'étais en train de transpirer. Et je voyais la sœur qui me regardait bizarrement. Oh, pasteur, je vous assure, j'ai jamais oublié ce jour. Et depuis ce jour, oh, je ne peux plus transpirer. Dès que je sens que je vais transpirer, oh, je me sens mal. Mais ce matin, votre parole m'a délivré. Oh, sois béni, ma sœur.
Sois béni, ma sœur. Et que le Seigneur te bénisse. Tu peux transpirer. Il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas contre la transpiration. Vous venez vous asseoir dans leur église morte, morte là. Les églises sont mortes, mortes. Même les mouches même ne veulent plus rentrer dans l'église. Moustiques ne veulent plus rentrer. Il y a des églises, même les souris veulent rentrer quand même pour voir ce qui se passe. Ils ne rentrent pas. L'église est morte, morte, morte. Ils vont s'asseoir, ils prennent des canets. Alléluia, Jésus est parti, il est revenu, je ne l'ai pas vu, il est reparti. Alléluia, Jésus va revenir, peut-être qu'il va revenir, matin, midi, soir, calme, comme ça. Ils sont assis, aucun bruit. Si tu es parti t'asseoir là-bas, et qu'il y a une louange qui a commencé à te toucher, une fois, je suis allé dans une église. Il n'a pas dit son nom. Et puis, ils ont mis louange d'adoration. Les pianistes. Tin, tin, tin. Et puis, comme moi, quoi, j'ai mon sion. Ça a commencé à bouger un peu. Et j'ai commencé. Rabatakato brokataraba. J'ai ouvert mes yeux. Tout le monde me regarde. On finit, bizarrement, on dirait qu'il y a combien de péchés, quoi. On sort de l'église. Il y a une femme qui s'en. Bonjour, mon frère. Vous êtes de quel pays de l'Afrique? Je ne sais pas dans quelle langue vous étiez en train de prier tout à l'heure. Mais vous savez, quand vous venez à l'église, oh, il faut prier doucement. Il faut prier doucement. Il faut laisser les autres prier aussi. Mais tout à l'heure, vous avez, tout le monde était, même la musique ne pouvait plus. Mon frère, c'est comme ça vous priez en Afrique. À cause de Dieu, je l'ai regardé. J'ai dit, je ne vais rien te dire. J'ai dit, je ne vais rien te dire. Parce que si elle parlait là, ce n'est pas bon. Hein. Ça allait se gâter. Je sors d'une église. Une église hein, reconnue mondialement, reconnue ici en France. Après le culte, le pasteur est devant l'église. Les fidèles, l'ancien, le diacre, en train de fumer cigarette devant l'église. Leur onction, c'est cigarette. Leur onction, c'est cigarette. Oh. Toi, tu es en train de prêcher pour dire aux gens, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le détruire avec la cigarette. Il ne faut pas le détruire. Eux là, quand ils ont fini, ils viennent renouveler l'onction cigarette. Le pasteur, bonjour mon frère, tu vas bien. Il dit, va là-bas. Et ta bouche qui sent cigarette là, il ne faut pas me dire bonjour. Oh, le Seigneur n'est pas contre ça. Le Seigneur n'est pas contre ça. Ce n'est pas ce qui entre qui souille. C'est ce qui sort qui souille. Et c'est eux qui vont attaquer ton parent en langue. C'est eux qui vont attaquer ton don de prophétie. C'est eux qui vont venir t'attaquer parce que tu as parlé de prospérité. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alors, mes frères, ne vous laissez plus influencer par ces messages diaboliques. Moi, j'ai commencé à servir Dieu dans les années 80. Dans les années, on va dire 86, 87, là, je ne sais plus trop, j'étais à Abidjan. Et moi-même, j'ai circulé en Côte d'Ivoire, je suis à la Korogo, à Gagnoua, Dalois. Et j'aimais beaucoup l'intérieur. J'aimais chasser des démons, j'aimais détruire fétiches. Donc, j'étais toujours à l'intérieur. Et puis, je suis venu à Abidjan. Il y a un homme de Dieu, je ne vais pas dire son nom ici, mais je vais dire son nom. Le frère Sidney, l'évêque Sidney peut témoigner. Le quartier Koweït d'Abidjan, là, à un certain moment, ils sont allés prendre maison là-bas. En ce moment, ce n'était pas un grand quartier, donc j'avais une grosse villa inachevée, 25 000 francs. En ce moment, les Sidney étaient à Cocody.
Mia Léon, je ne sais pas si c'est à Kumasi. Et tiens, oh, mais les miracles que Dieu faisait, le fou guérissait, le paralytique s'élevait, les aveugles voyaient, onction était fort. Je me rappelle un jour, Sidney Yobo a pris ça, il venait d'acheter sa BM rouge. Sidney est venu me rendre visite. Et puis, il me dit, et que toi, il faut rester dans ton affaire de sort, je chasse, je chasse. Ce jour-là, il s'est moqué de moi. Il est parti. Frère, je ne parlais pas de prospérité, d'argent, de tout ça. Tu viens et finis de prier, il faut partir. Si tu veux, il faut m'envoyer une yam, il faut m'envoyer une banane, il faut faire ce que tu veux. Bon, Dieu prenait soin de moi. Un jour, je jeûne, je prie. J'en pouvais plus. J'aidais beaucoup de personnes, mais rien. Je prie, je jeûne, je prie. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu bénis les autres? Et puis moi, avec tout ce que tu m'utilises pour faire, tu ne me bénis pas. Le Seigneur dit, tu es béni. Mais c'est de ta faute. Tu n'en parles pas. Parce que tu as honte, tu as peur que les gens disent que tu parles d'argent. Si tu n'en parles pas, comment est-ce que les gens vont te délivrer? Comment ils vont recevoir pour pouvoir aussi toi te donner? C'est en parlant, c'est en prêchant, c'est en enseignant que les gens vont comprendre que s'ils donnent, ils seront bénis et toi aussi tu seras béni. Depuis que Dieu m'a dit ça, j'ai commencé à prêcher. Au début, je n'avais pas trop le courage de prêcher. J'avais un fils qui s'appelait Marc, un évangéliste. Donc, à chaque programme, je laissais Marc prêcher sur les offrandes, tout ça. Et puis, moi, je viens faire mes actions. Allez, il y a une personne ici, il y a quelqu'un ici. Allez, là, 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 tombe là, boum, 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 bah, 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 bah. Et puis, on transpire quand on rentre à la maison. À un certain moment, je commençais à prêcher. Et c'est là que Dieu a commencé à me bénir. Vous savez, un moment, j'offrais beaucoup les montres. Ça, ce n'est pas une montre, c'est un bracelet. Quand je vais dans une église, j'enlève ma montre, je donne à l'homme de Dieu. Et puis moi aussi, on m'offrait des montres. Un moment, c'était les costumes. Et on m'offrait les costumes. Et j'ai commencé à donner l'argent. On me donnait aussi l'argent. Et j'ai compris que c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu aimes semer les montres, tu vas récolter les montres. Tu aimes semer les costumes, tu vas récolter les costumes. Si tu as l'habitude de semer les 1 centime, les 2 centimes, tu vas récolter les 1 centime, les 2 centimes. Ça, je suis convaincu de ce message. Je le prêche parce que moi, je le vis. Et il n'y a personne qui peut m'enlever ça dans la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire « Prospérité, c'est démoniaque. » Ce message de prospérité-là, à cause de ça, on ne rentre pas au ciel. Allez-y dire à Jésus, allez-y dire à Dieu que moi, je dis ma place-là, ils n'ont qu'à donner à Ndiakouaï. Parce que si Salomon a été riche et que moi je ne peux pas parler de richesse, c'est que Dieu est injuste. Si Abraham a été riche et que moi je ne peux pas parler de richesse, c'est que Dieu est injuste. Vous avez compris? Donc moi j'ai fini de prêcher, j'ai fini de parler matin là. Celui que je vois en train de prêcher sur contre prospérité, je viens et t'allume. Celui qui a, au-delà, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Mais maintenant, je vous guette. Celui qui vient, il parle. Tu es ma maman, oh, tu es mon papa, oh, tu es un frère, oh, tu es une soeur. Oh. Tu viens attaquer message de prospérité. Je prends ta photo, je prends ton nom et puis t'allume. Je te lave, je te soigne et puis je te dépose. Voilà. Laissez les gens tranquilles. Aujourd'hui, là, on ne peut pas prêcher l'évangile. Il y a des pasteurs ici en France qui travaillent. Ils se lèvent matin, ils vont travailler, ils font la sécurité, ils travaillent dans le bâtiment, ils font tout pour pouvoir payer une salle pour aider les gens. Vous avez compris? Parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Je connais une servante de Dieu à Bordeaux qui travaille, qui prend son salaire pour payer la salle. Quand les gens font offrande même, il n'y a rien. Et vous venez dire aux gens, il ne faut pas parler de prospérité,
faut pas parler de prospérité. Bande de sorciers. Vous voulez que nos enfants mangent quoi? On prend tout notre temps pour prêcher l'évangile, chasser les démons, faire tout. Qu'on va mourir là. C'est vous qui allez venir prendre soin de nos enfants. Pendant que vos enfants vivent bien. Et puis vous les blancs là, qui avez déjà ouvert le compte bancaire pour tous vos enfants, et puis vous venez vous asseoir pour dire, le message de la prospérité n'est pas de Dieu. Le message de la prospérité, non. Que Dieu me... Oh, on est en 2022, on ne suit plus, hein, je viens d'une retraite. Non, je voulais parler baoulé, quoi. Et puis bon, le Seigneur m'a dit, non, on ne parle pas baoulé. Sorcier. Ouais. Je ne suis pas content de vous et j'ai fini. Ça, c'est entrer en matière. Là, je viens d'expédier un savon. Là. Si je fais mon calcul, mais peut-être je n'ai même pas 1 € dedans. C'est comme si elle fabriquait quelque chose gratuit et puis j'envoie à quelqu'un. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas vous, vous allez venir vous asseoir. Non, vous parlez trop d'argent. Il ne faut pas parler d'argent. L'argent n'est pas bon. L'argent est démoniaque. L'argent est satanique. Pourtant, vous mettez l'argent dans vos poches. Et puis, dites à la maman qui est à Abidjan. Maman, moi, je te respecte. Je suis déjà allé une fois dans ton église. J'ai été accompagné par un de mes frères serviteurs de Dieu. J'étais honoré, j'étais respecté. Toutes les femmes des personnalités qui étaient assises dans ton église, elles ne te font pas offrande. Église que moi j'ai vue, le matériel que j'ai vu, ton mari que j'ai vu, ce que vous avez dans un quartier de Bourges, ce n'est pas Yopougon. Tout ce que vous avez là, ce n'est pas l'argent qui a fait ça. C'est vous qui venez vous asseoir. Oui, mais ça, quand la perspective n'est pas comme... Si tu as fini de manger, que tu es rassasié et que ça commence à te donner coco, laisse les autres, ils vont manger pour eux. J'ai fini. Maintenant, vous, les peaux grattés, là, qui venez nous faire croire que prêcher sur la prospérité, ce n'est pas de Dieu, là. Vous êtes satanique. Vous voulez qu'on reste pauvre toute notre vie. On ne vous écoutera pas. Invitez-moi dans vos églises. Invitez-moi dans vos villes, dans vos pays, dans vos églises. Je vais prêcher sur la prospérité. Ceux qui vont donner sur le pasteur, si dans ton église les gens ne donnent pas, il faut m'appeler. Frère, si tu sais Dieu que les gens ne te soutiennent pas là, organise, appelle-moi. Ton ministère doit se relever. Je vais faire action prophétique. Celui qui va faire, il va voir le résultat. Point. Et tu vas voir. Les gens vont te bénir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Partagez ce direct là.